c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Antonin, qui travaille dans l'ergonomie en fait, et qui va être amené à changer de poste et à avoir des postes de plus en plus importants. En fait, c'est une histoire d'ambition et voilà, des choix qu'il faut faire entre une certaine ambition et un idéal auquel on aspire. Voilà. C'est cette histoire-là. L'origine du projet, c'était. Je connaissais quelqu'un dans mon entourage qui était au chômage et qui vivait une période où il rencontrait énormément de chasseurs de tête. Et je me disais que les entretiens qui passaient avec ces chasseurs de tête étaient vraiment assez fascinants. La façon dont les chasseurs de tête parlaient du monde du travail, en fait, comme une sorte de territoire de chasse, avec des cibles, des objectifs, des proies quasiment. Et je trouvais que cette façon de parler du monde du travail de manière très jungle, en fait, me semblait assez juste par rapport à la violence en fait, qui s'exerce au sein des boîtes, dans les recrutements et aussi dans les licenciements. Et je trouvais ça intéressant d'explorer le monde du travail via justement ces cabinets de recrutement. Il paraît que vous êtes en difficulté sur Bondax ? Non, absolument pas. Ce n'est pas ce qui se dit ? Consigné. Pas seulement. Savez-vous, Nora, que le stress est générateur d'adaptation, de performance? En situation de danger, un animal est capable d'exploits hors normes. Alors, les êtres humains? À moins, bien sûr, qu'ils ne tombent dans la culpabilité, la repentance, tout ce mauvais stress qui paralyse et qui retourne l'énergie contre soi. À l'origine, en fait, c'était un court-métrage que j'avais écrit, et j'en avais parlé avec Olivier Gors, qui me disait « mais on pourrait très bien en faire un film pour la télévision ». Moi j'avais rencontré Olivier parce que j'aimais beaucoup ce qu'il avait fait, notamment Violence des échanges en milieu tempéré. Et donc on a voulu faire un film légèrement d'anticipation en fait, sur le monde du travail, mais avec une très légère anticipation de comment ça pourrait se passer demain les cabinets de recrutement. Donc on s'est énormément inspiré de la réalité. Moi j'avais un conseiller technique sur tout ce qui était ergonomie, etc. pour que les choses soient extrêmement précises. Et en même temps on voulait une forme qui soit assez dynamique et assez thriller pour que les gens soient en même temps apprennent des choses et en même temps soient divertis. Monsieur Brecht ! Régis Musset, c'est un réalisateur que je connais depuis longtemps. On a fait 5 films ensemble. C'est un réalisateur que j'apprécie beaucoup parce qu'il sait à la fois faire de la comédie, on a fait plusieurs comédies ensemble, du polar et aussi du thriller. Donc je le connais dans ces trois genres-là, dans lesquels je trouve qu'il est très à l'aise. C'est quelqu'un qui dirige vraiment bien les comédiens et avec qui on peut bien discuter sur la forme. Comme j'avais écrit le film et que je le produisais, j'avais une idée assez précise de la forme que je souhaitais. Et donc on a beaucoup discuté en amont sur la ligne éditoriale du film, la charte artistique qu'on voulait donner, sur les couleurs, sur le type de cadrage, les costumes, sur le type même d'environnement visuel, que ce soit les décors, etc. Pour le casting, j'avais envie avec Régis, on avait envie d'un comédien qui incarne une certaine modernité, un côté un peu glamour, voilà, quelqu'un de jeune, moi j'aimais beaucoup Frédéric avec qui j'avais déjà fait un film, un épisode de Lady Bradford, et je trouve que dans les acteurs qui font de la télévision aujourd'hui, parmi les jeunes, c'est quand même un des plus intéressants parce qu'il a cette image à la fois très dynamique, un peu glamour, et qui prend des risques quand il fait Flic, quand il fait Clara Scheller, donc qui est aussi en phase avec une certaine jeunesse, et ça m'intéressait beaucoup, ce côté moderne du personnage, et je voulais avec Régis le confronter à quelqu'un qu'on n'avait jamais vu dans un rôle de méchant. Et Sam Karman en fait fait plutôt des gens sympathiques en général, bon vivant, intelligent, fin et courtois. Et là on voulait vraiment lui faire jouer le rôle d'un salaud. Et il était très content de ça, et du coup le choc entre les deux est assez intéressant parce que c'est vraiment deux écoles aussi de jeux différentes et deux parcours très différents. Ciao. Sucre? C'est pas dans vos fiches. Ah. Je peux savoir ce que vous faites là? Nora m'a ouvert. Ne lui en voulez pas, elle est très affectée par ce qui vous arrive. Comme nous tous d'ailleurs. Tout va très bien. Hein. Vous occupez de ma vie avec un tel soin. Merci pour mon père d'ailleurs. Pas de réussite professionnelle durable sans équilibre affectif et familial. Regardez ce pauvre Fastel.
Sa femme voulait un troisième enfant, il n'était pas disponible pour ça. J'ai pas le temps d'écouter vos conneries, j'ai une réunion du CODIR dans une demi-heure. Nora les a prévenus de votre absence. Elle vous remplacera.